Tu es sans pareil. Tu nous comprends mieux que ceux qui sont autour de nous, car toi, Seigneur, tu es au-dedans de nous. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Il n'y a que toi qui peux relever avec amour et douceur ceux qui sont faibles. Tu interviens avec tendresse et affection là où la dureté des hommes peut conclure fatalement. De Jésus-Christ, nourris les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Nous allons accepter la persécution parce que les gens ne vont pas aimer qu'on le dise. Vous-même, vous savez que Dieu, ce qu'il a fait, bon, les gens l'ont renversé. Les gens sont appelés à épouser les femmes et les gens s'épousent entre eux. Les gens sont appelés, les femmes sont appelées à épouser les hommes et les femmes s'épousent entre eux. Dieu a permis que les gens se partagent le butin. Il a tout dessiné dans le monde, de l'or, de l'argent, de tout. Mais les gens veulent tout prendre pour eux seuls. Et si tu viens avec cette doctrine, tu géreras la perte du pays. La parole de Dieu dit qu'il faut dire, c'est une joie au ciel où tu dis la vérité aux gens et que ces gens vont changer parce qu'ils veulent trouver la grâce auprès de l'Éternel. Que rien ne vous effraie. Si c'est la voiture, Dieu est le maître des voitures. Si c'est vraiment les étages, Dieu est le maître, le créateur, le bâtisseur, il est le seul. Si c'est pour le voyage, Dieu, il suffit de regarder ce qu'il a réalisé. Tout ce que nous voulons, Dieu est à la hauteur de tout. Des mariages, des enfants, des succès, des prospérités, Dieu en dispose tout cela chez Jésus. Et quand il te donne d'une manière exubérante. Exubérante veut dire quoi? La manière qui va te dépasser. Et tu vas commencer à dire que ça, c'est de la magie. La magie de l'enfant de Dieu, c'est la foi envers son Dieu. Amen. Quand tu manques quelque chose, ne t'attache pas aux vaines choses. Ne te laisse pas être séduit par tes combats. Sois fort. La parole de Dieu nous dit, Dieu fait grâce aux hommes. Et la parole de Dieu nous dit, toi qui es fort, supporte le faible. Est-ce qu'il y a un fort parmi nous? Ce n'est pas la force de Dieu. La foi, la force d'un enfant de Dieu, c'est la foi. Celui qui peut parler un mot et il reste fidèle à sa parole. C'est celui-là qu'on dit qu'il a de la foi. Les gens disent que ça ne peut pas marcher, mais tu crois en Dieu vivant, tu dis la chose et la chose prend des faits. C'est toi que Dieu a besoin de lui. Pas celui qui dit aujourd'hui, demain il a peur. Il commence à te mentir, il dit, est-ce que ça marche? Est-ce que Dieu me connaît? Dieu te connaît. Amen. Dieu te connaît. La prière, quand on prie à la fin, il dit, remerciez l'Éternel d'avoir déjà exaucé votre prière. Cela veut dire que dans les actes que tu as fait la demande, le Seigneur t'a exaucé. Et il t'a déjà donné ce que tu demandais. Maintenant, il reste la balance. Et si tu crois, tu verras le miracle de Dieu s'accomplir. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras jamais le miracle de Dieu. Verset 7. Repousser les contes profanes et absurdes. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent repousser des mauvaises choses, des fausses doctrines, des fausses paroles, des fausses amitiés, le Congo, ça, des choses qui détruisent le monde? Vous avez seulement les bagots pour le Congo ça. Vous avez le crédit du Congo ça. Vous avez tout le temps du Congo ça. Tu vas au marché à 10h, tu rentres à 14h, Congo ça. On a tout le temps pour faire le Congo ça. Mais Dieu n'a pas le temps dans ton cœur. Quand on parle de Dieu, tu es gêné. Pourquoi? Parce que tu l'es déjà vu. Mais c'est quand tu me reconnais, mais Dieu est fort et Dieu est grand. Je ne sais pas que tu me connaissais, Dieu t'a connu. C'est toi qui ne me connais pas. Jésus dit, je connais les brebis et les brebis me connaissent. Amen. Alors il est hors de question que tu t'affoules en posant des questions comme si tu étais la barrière de ta vie. Quand l'enfant de Dieu n'a plus d'issue, il devient malheureux. Il devient l'obstacle de sa vie.
et devient la barrière de sa vie parce qu'il n'a pas les oreilles d'esprit. On croit toujours en Dieu. Luc l'a fait le concours pour être vivant, pour l'instant. Mais le Seigneur sait pourquoi tu gis. Et si tu dis, lui, le changera ce que tu as dit que tu seras. Ça peut être freiné, mais ça ne serait jamais changé. Et que l'ennemi ne se mette pas au jacquet parce qu'il dit qu'il va te dévorer. Mais celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais si tu te laisses faire, il va te dévorer. Juste ceci, parce que Dieu a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc il y aura un futur. Verset 18. Exerce en toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente de celle qui est à venir. Nous pouvons savoir que la première des choses est la piété. Est-ce qu'il y a des gens pieux dans la salle? Vous ne pouvez pas dire des mots, nous convenons avant que Jésus ne vienne. Ce mot s'enfoncissant est signé pour ça, ça. Et que quand on va sortir, ça va rester ici et prendre le lit ici. Alors que ces mots sont le chemin, la vie et la vérité. Il faut être sobre de cœur. Il faut agir en piété. Il faut être un enfant docile. Il faut être un enfant du rachat. Tu dois te représenter devant le monde comme quelqu'un qui a eu le crime que nul n'a eu dans le monde. C'est pour cela que nous disons ce qu'il a fait pour moi, il n'a pas fait pour toi. Parce que chacun de nous doit reconnaître ce que Jésus a fait en lui. Je n'ai pas besoin de dire pour toi que tu as fait pour toi. Je dis ce qu'il a fait pour moi est plus fort que ce qu'il a fait en toi. Toi aussi, tu dis non, ce qu'il a fait en moi est plus fort que ce qu'il a fait en toi. L'autre dit non, pour vous, ma part, c'est vrai, ma part était plus élevée que pour vous. Alléluia. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Et donc, Michel a dit, dans nombre de temps en temps. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Vraiment, si c'est une parole qui peut galvaniser des esprits malins et que le Saint-Esprit prend possession en nous, ça sera une très bonne chose. Nous travaillons dans verset 10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Qui est le sauveur de tous les hommes, principalement les croyants. Alléluia. Nous ne parlons pas ces choses parce qu'on veut que les gens nous voient. On ne dit pas ces choses parce que nous voulons nous dire. Moi-même aussi, je voulais aller à la distraction tout à l'heure. Mais parce que le Seigneur est le sauveur, il recommande à chacun de travailler. Il va payer le salaire de tous et chacun. Je suis obligé de vous dire cette parole. Parce que je cherche mon salaire, je cherche ma bienaventure, je cherche la vie que Dieu a besoin pour ses œuvres. Donc Dieu a mandaté à quelques-uns d'essuyer les autres. Alors bien-aimé, je sais que tu as fait le nom de Congo, tu as divisé des familles. Tu as même rendu des familles bêtes. Tu as même créé des désertes dans les familles. Parce que tu voulais te faire voir, tu voulais qu'on sache c'est toi. Je vais te poser la question, depuis que tu as fait cela, tu as combien en banque? Tu as reçu quoi? Tu as divisé les amis? Tu as divisé je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu as eu? Son salaire, c'est l'effet de l'antichrist, le faux prophète. Il faut que tu me rentres. C'est grâce à toi que Jésus est venu mourir sur cette terre. Tu dois rentrer et reconnaître les torts. Et supporter ce qui se passe auprès de toi, à ton entourage. C'est là où Dieu va t'aider. Ces gens-là vont te persécuter. Et ils auraient même dit pour toi. Ils auraient été pilés dans les pilons. Mais pourvu que tu ne t'écrases pas, pourvu que tu ne meurs pas, pourvu que rien ne t'arrive, parce que Dieu est là et veille pour toi. Et les gens qui ont toujours des paroles de division, des paroles méchantes, changeons. Ça ne donne rien. Si nous voulons entrer dans le rang de Dieu, parce que le Seigneur Dieu m'a dit, je viens et je reviens bientôt. Non, le monde ne regarde pas la venue de Jésus. Le monde regarde l'argent, l'or. Et c'est ce que le monde, c'est toutes ces choses-là seulement que le monde voit. Mais l'enfant de Dieu doit voir le jus du jugement.
L'enfant de Dieu doit regarder, là, il va aller vivre à la gloire de son Père. C'est pour cela que tu es appelé à changer dès ici-bas pour l'instant T. Afin que là-bas, tu aies de la gloire qui congène à ceux-là qui seront assis dans la gloire du Père. Il semblerait qu'il faut vraiment de la nôtre qui va atteindre 70, 80, 90, voire 100 pour s'asseoir à côté de Jésus. Et si vraiment la nôtre est à 50, je sais moi-même, après un moment, 50 peut se situer avec 100. Tandis que tu seras à distance de 500 mètres ou de 500 millions de mètres ou de 500 milliards de mètres pour que tu vois Jésus avec tes yeux. Nous devons nous battre. Nous devons laisser le monde avec ses choses. Nous devons faire la volonté de Dieu. Laissons les insultes. Laissons le commérage. Laissons les divisions. Laissons le compostage. Laissons la détruction. Laissons les détournements. Laissons la sorcellerie. Laissons tout genre de pratique. Parce que pour l'instant, tu te glorifies. Mais tu es en prison. Parce que ce que tu veux faire n'est pas à ton hauteur. Mais celui qui est caché, il est le principe. Et nous chantons toujours, la main cachée, c'est Jésus, la main cachée, le roi des rois, c'est Jésus, le roi des rois, le nom de Dieu, c'est Jésus. Les choses comme ça qui doivent te dire que Dieu est avec toi. Et quand tu chantes, ça débloque ta vie, ça débloque tes barrières, ça te guérit et ça t'élève parce que tu châties l'éternel. Nous devons toujours rester des hommes éveillés, des femmes éveillées, dans les jeûnes, dans les prières, dans le chant, dans la louange, afin que le nom de Dieu nous fortifie. Et que Dieu nous change, et que nous serons les meilleurs, nous serons la tête et non la queue. Que Dieu vous bénisse.